Et moi je vais taguer deux autres, allez, Kid Studio Test, ainsi que Maëlia et Maman d'Amour. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez leur dire qu'on les a tagués. Et puis j'espère que vous aimez. Ballon. N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi. Coucou les loulous. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve en extérieur parce que ça y est, c'est la fin de quoi ? De l'école. Et oui, c'est la fin de l'école, ça y est, les grandes vacances vont pouvoir commencer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo où ? Au parc en extérieur. D'ailleurs, désolé les amis si vous entendez des bruits autour de nous, mais déjà on a les cigales qui font beaucoup de bruit parce qu'on est en Provence, bien sûr, on est dans le sud. Et il y a quelques travaux dans les alentours, mais bon, ça va peut-être pas gâcher la vidéo, j'espère que vous entendrez. Et puis aujourd'hui, on a décidé de faire cette vidéo parce qu'on a été tagué pour faire quelque chose. On a été tagué par qui ? Par Studio Bubble Tea. Studio Bubble Tea, alors la chaîne avec Mickaël, le papa, et puis les deux petites filles, s'appellent comment ? Calice et Athéna. D'ailleurs, merci à vous. On vous fait des gros bisous. Mouah. Merci à vous d'avoir pensé à nous, c'est trop sympa. Donc ils nous ont demandé, ils nous ont tagué pour faire quoi ? Le CGT. Le CGT. Un animal, non, je rigole. Si j'étais un animal, par exemple un lapin. Ouais, ou quelque chose comme ça, voilà. Donc si j'étais quelque chose. Donc les amis, on a plusieurs questions. Alors on avait déjà fait un si j'étais. Donc j'ai pris toutes les questions de Calice et Athéna qu'ils avaient fait dans leur vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir leur vidéo. Et j'ai fait du tri parce que comme on avait déjà fait, ben, il y avait des questions en double auxquelles on avait déjà répondu. Donc là, on va répondre aux questions auxquelles on n'avait pas répondu dans le précédent tag si j'étais. Et puis ben. Oui. Ils avaient fait si j'étais en vomi. Oh, oui, tout à fait, ils avaient dit ça dans la vidéo. Donc si vous ne connaissez pas Studio Bubble Tea, on vous invite à aller voir leur chaîne et puis vous abonner si vous aimez. Et puis nous, on va commencer avec la première question. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, question numéro 1. Si j'étais un youtubeur ou une youtubeuse ? Alors ? Des mots joués. Alors, moi, je peux répondre ? Ouais. Moi, c'est un cookie magique, tu veux dire. Stacy Mounette. Stacy Mounette. Ah, Stacy Mounette, si tu veux. Alors moi, si j'étais une autre chaîne YouTube ou un YouTuber ou une YouTubeuse, ben je serais... Virginie fait sa cuisine. Moi, j'aime bien, elle est rigolote. Virginie fait sa cuisine. Non, elle est toujours déguisée. Fugiel. Ouais. Ok. Alors, question numéro 2. Si j'étais un instrument de musique. Le violon. C'est facile, moi. Je réponds toujours de faire du violon, moi, d'ailleurs. Alors, moi, ce serait un saxophone, parce que si vous ne le savez pas, je joue du saxophone. Oui, donc, à l'école même. Et toi, Loulou, alors ? Guitare. Une guitare, ok. Alors, question numéro 3. Si j'étais un super pouvoir. Super... de l'air. De l'air, c'est un super pouvoir ? Ça veut dire qu'elle peut voler en fait. Ah, voler ? Non. Non, de l'air. De l'air. Un P, un brout ? Un super pouvoir de glace. Ah, un super pouvoir faire de la glace en fait. La glace qui se mange ou comme la reine des neiges ? Comme la reine des neiges. Ah oui, c'est mieux. Alors Corentin, ce serait quoi toi si t'étais un super pouvoir ? Être invisible. Être invisible. Ah ouais, et c'est les cool, gens peuvent passer à travers moi. Du coup, je fais dans les parcs d'attractions et tu sais, les gens ils se mettent à l'intérieur de moi, mais eux ils le voient pas et moi je vois l'attraction. Ils sont payés aussi. Ok, c'est payé aux attractions, d'accord, ok. Et ben moi je serais la téléportation parce que comme ça je pourrais passer d'un endroit à un autre, je pourrais aller aux États-Unis comme ça en un claque endroit, ce serait super. Alors ensuite, si j'étais un jouet. Un jouet. Pas un jeu vidéo. Mais moi, ce serait un Lego. Moi, ce serait une Barbie, car j'ai une grande maison de Barbie et je vais acheter toute Barbie chez moi. Et toi, Loulou, ce serait quoi un jouet ? Une poupée de fille. Non, je rigole. je sais pas, il y a un ballon de foot, il peut y avoir des voitures, une voiture télécommandée que t'aimes bien, un pistolet, un Nerf. Ta Ferrari là, télécommandée. Un robot, ça peut être plein de trucs, tu sais pas. Attends,
Voiture télécommandée. Voiture télécommandée, d'accord. Alors, si j'étais un film. Jurassic World 2. Jurassic World 2. Et toi, c'est un... La Bête de... La Belle et la Bête 2. Et moi, ce serait Mary Poppins. Voilà. Donc, si j'étais un acteur ou une actrice. Celle de Poppy. Ah, c'est Luan. Oui, Luan. Luan. Alors, Luan, c'est pas trop une actrice, c'est plutôt. Ouais, bon, je suis. Ouais, bah, elle a fait les trolls, hein. Ok, ok. Toi, Quentin. Vas-y. Alors, moi, ce serait. Ce serait comment ça s'appelle Whoopi Goldberg, qui a joué notamment dans Sister Act. J'adore cette actrice, elle est trop, trop rigolote. Ah déjà, comment il s'appelle dans le film? Ah je sais plus, non, j'aurais essayé de prendre le jeu là. Ah, celui qui dresse les dinosaures? Oui. Ah, alors je sais pas le nom de celui qui dresse Blue, vous pouvez nous dire dans les commentaires, qui joue aussi dans les Jurassic, donc dans Jurassic World notamment, qui a dressé Blue. Ok, bah je sais plus le nom de l'acteur. Ensuite, si j'étais un légume. Des épinards. De la carotte. Alors pourquoi on t'aime des épinards, t'as dit? Non. Bah non, du poisson. Non, bah des sushis. Bah des légumes, un légume, c'est pas des légumes les sushis. Mais si tu as dit des légumes là-dedans. Mais non, mais juste un légume. Donc une carotte et Quentin, t'as dit des épinards au début. Et moi, ce serait bien. Quel légume j'aime vraiment? Le poivron. Ouais, poivron rouge. Poivron rouge, ouais, super. Ensuite, si j'étais donc un goût. Un goût. Alors, ça peut être un goût. Le goût de la vanille. Mmh. Ou du chocolat, les deux. Moi, ce serait. Vanille chocolat. Moi, ce serait goût menthe chocolat. Non, coco. Coco. Moi, ce serait goût. Ma vanille chocolat. Chocolat, mandarine. Ah, mandarine, il est bon. Ouais. Si j'étais un smiley ou emoji. Celui avec les cœurs dans les yeux. Emoji crotte. Emoji crotte. Moi, emoji licorne. Ah, emoji licorne. Oh. Si j'étais un parc d'attractions. Splashford, hein, ça s'appelle Wave Island maintenant. Il n'y aurait pas un parc sur Jurassic? Ah non, je ne pense pas qu'il y en ait un. Si, par exemple, Spirou. Ah bah, Parc Spirou, j'avais dans ma tête d'ailleurs. Parc Spirou, et moi, ce serait Disneyland, forcément. Alors, si j'étais un dessert. Un dessert. Ah ouais, j'en ai plein. Trois bananes. Moi, je serais une glace à l'eau, mais au goût menthe. Voilà. Une fusée citron. Non, non, une fusée citron. Ah non, non, moi ce serait une glace à la noix de coco. Bounty, une glace Bounty, voilà. Et toi, Loulou? Oh. Gâteau. Un gâteau. Un gâteau à quoi? Chocolat, vanille. Oui, pas chocolat. Vanille. Bah, un gâteau, tout court. Un gâteau yaourt. Ouais, un gâteau yaourt, okay. avec des framboises dessus. Avec des framboises dessus, d'accord. En fait, sur c'est un peu comme les petites bases que tu me fais avec chantilly et des fraises dessus. Ah, ok, même un gâteau plein de crème et de fraises, en fait. Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Si j'étais une musique. Alors, musique, ça peut être une chanson. Hein. Alors, moi, si j'étais une chanson, ce serait... La Mélodie du Bonheur. Ah. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller voir sur YouTube La Mélodie du Bonheur. C'est une vieille chanson d'un vieux livre, d'un vieux film, une vieille comédie musicale en fait. Vaiana. Ah, la chanson de Vaiana, le bleu lumière. Jurassic. Mais toi, t'as à fond de Jurassic en fait, t'as à fond de dinosaure. Bah après, on l'a vu il y a pas si longtemps. Si j'étais un mois de l'année. Ah. Enfin, un mois, hein. Un mois de l'année. Juin. Pourquoi juin? Parce que c'est les vacances, c'est l'été. Ah, c'est la fin de l'année. Ah oui, c'est l'été. Moi, c'est juin. Ah, moi, ce serait janvier, parce que c'est mon anniversaire. Ah non, décembre, parce que c'est Noël. Trop bien. En décembre. Si j'étais une ville, Océane, alors Marseille. Marseille. Ah ouais, il fait beau à Marseille. Et toi, Loulou? Un truc à Lyon, un truc New York. À... New York, alors moi, ce serait... Non, Tokyo. Tokyo? Ouais. Ouais, moi ce serait soit Hollywood, soit... Ah, Hollywood? Ah, c'est pas mal. Ouais, Hollywood. Allez, on dit Hollywood.
Alors, si j'étais un jeu vidéo ou de société? Vidéo de société. Fortnite. Ah bah oui, forcément. Et toi, Zéane? Mario Kart 8. Mario Kart 8. Alors, elle aime bien jouer. Alors, moi, ce serait Minecraft pour un jeu vidéo. Ah, moi aussi, Minecraft. Si j'étais une console de jeu? Une PS4. Moi, je serais une... Oui. Une Wii. Une Switch. Si j'étais un vêtement? Une robe. Une grosse robe comme ça. Une grande robe de princesse. Et toi, Corentin? Une robe de mariée. Tu serais une robe aussi? Non. Tu serais quoi? Moi, je serais une casquette. Une casquette? Comme celle-là. Ouais, c'est plutôt un accessoire, mais oui, une casquette. Ouais, une pouce vers le haut. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce vers le haut comme la casquette de Corentin. Moi, comme la casquette d'Aïti. Et moi, ce serait plutôt, on va dire aussi un accessoire, des tongs. Parce que les tongs, c'est l'été, c'est trop bien. Ensuite, si j'étais un personnage de Disney? Vaiana, c'est Disney. Et en Vaiana, oui, on peut la voir à Disney. Toi, je suis sûre que tu vas répondre Fée Clochette. C'est ça. Moi, ce serait la Fée Clochette. D'ailleurs, elle a un téléphone de la Fée Clochette. Oui, tout à fait. Et toi, Louis? Stitch? Non? Stitch, c'est trop bien. Dans Star Wars, non? Pinocchio? Non. Alors... Des fois, les mensonges, des fois. Oui, là. Celui-là? Je sais pas, moi. Batman? Batman, c'est pas Disney. Oui. Non, c'est pas Disney. C'est les comics. Non, Hulk, ouais, c'est Marvel, c'est Disney, si tu veux. Il y a Spider-Man, Iron Man, il y a qui? Il y a Mickey. Stitch. Mickey, Minnie. Mickey, c'est le principal d'ailleurs. Wally. Ah oui, super Wally. Il est rigolo. Ouais, il est rigolo. Et dernière question, si j'étais une fleur? C'est la chose. Une pâquerette. Ah, c'est mignon, pâquerette. Moi, ce serait un tournesol, comme ça on peut manger les graines. C'est un tournesol. Toi aussi un tournesol? Ah, mais pourquoi, c'est bien. Alors ça y est, c'est la fin de ce petit tag. Alors j'espère que ça vous a plu. On vous mettra la liste des questions en bas, en barre d'infos. On tient encore à remercier Studio Bubble Tea de nous avoir tagué. C'est trop gentil de voir ça. Comment? On peut taguer. Eh ben oui, on va taguer 2 personnes, c'est le but. 2 ou 3, une personne chacun. Ok? Bon, la dernière fois, on avait tagué déjà des chaînes, donc on va en taguer des différentes, peut-être. Donc, on va taguer qui, alors? Ah, vas-y, à toi, Loulou. Qui est-ce que tu veux taguer? Moi, je connais pas trop de chaînes, mais bon. Swan Cooking Magic. Swan Cooking Magic, tu veux taguer? Alors, nous, on avait tagué la dernière fois, tu veux la retaguer? Ouais. Ok, bon, bah, si tu veux taguer Swan Cooking Magic, bah, vas-y. Toi, Loulou, est-ce que tu veux taguer quelqu'un? C'est fini. C'est si honnête. Bon, on arrête pas de les taguer. Alors, on va taguer la dernière fois. Et moi, je vais dire, on va taguer, eh bien, Récréafun. Voilà. Donc, les amis, si vous voulez, vous pouvez aller leur dire tout de suite qu'on les a tagués. Donc, on a tagué Stécie Nounette. Je crois qu'on avait déjà fait la dernière fois. Oui. Swan Cooking Magic, vous avez tagué. Et puis là, on a dit Récréafun. Donc, vous pouvez aller vite leur dire sur leurs réseaux sociaux ou dans leurs commentaires. Qui viennent, bah, qui fassent à leur tour en fait le CGT, le tag CGT. Donc les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. On tient à remercier encore la chaîne Studio Bubble Tea. Et oui, la chaîne Studio Bubble Tea de nous avoir tagué. C'est vraiment super sympa. On était vraiment étonnés qu'ils nous aient tagué. Donc merci à toi, Mickaël. Merci à Calice et Athéna. Donc les amis, Maman, elle croyait qu'on allait pas être tagué. Oui, je pensais pas qu'ils nous taguaient, oui, quand j'ai vu la vidéo, c'est super gentil à eux. Donc les amis, on va vous faire des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao, ciao. Bisous les amis. Mouah.